Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Ligue Celtique avec le Cygne Noir et Tiberians. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et on continue notre petite partie. Tu peux enlever la pause, le Cygne. Eh oui. Eh bien, du coup, j'ai été pris de court. Et du coup, bah, pour me venger de... J'ai bien compris le concept, je vais collecter à Bordeaux plutôt que vous envoyer le blé. Mais... Voilà. Ça y est, comme ça, maintenant tout le monde va... Le fumier. Ah bah du coup je collecte 24 au lieu de vous envoyer 29, hein, forcément ça joue. Ce type n'a absolument aucune considération pour ses alliés de longue date, qui l'ont soutenu à chaque instant. Absolument pas. Ils l'ont porté même par moment. Absolument pas. Ne nous emballons pas. Hein. La France a sali mes marchands. Bah l'autre chose. Je m'en vais. Je vais dégrétibiliser vos marchands. Qu'est-ce que je prends comme conseiller? Allez, un plus 2, ça suffira bien. Ouais, moi j'en ai pris un, mais il fait pas partie. Il peut pas être promu parce que sa culture, c'est pas la bonne. Un héritier qui est bien, ça fait plaisir ça. Allez, on a les nouveaux canons. Ouais, moi aussi j'ai les canons, c'est cool. Voilà qui fait plaisir. On peut traduire des états sur de la merde. L'Autriche, comment ça se passe? Ça y est, y a plus rien sur l'Autriche. Là on est de nouveau à 10%. On a quoi là? Des fourneaux. Des fourneaux. Qu'est-ce qu'on fout avec des fourneaux? C'est bien les fourneaux? Bah je sais pas, j'arrive à pas voir comment on peut savoir ce que ça fait en fait. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des... On a perdu la revendication sur le labor, c'est bien triste. Cunier. C'est ce truc-là, les fourneaux. Comment ça marche, ces conneries? Requiert charbon. Ah oui. Ah, mais j'en ai plein des endroits avec du charbon. Bah, moi, qu'est-ce qui s'y construit ici, là? Bah, des fourneaux. Ah, mais j'ai lancé des bourses partout, en fait, c'est pour ça. Allez, on va avancer là-dessus. Ah ouais, parce que je vais passer au charbon, ça va être trop bien. Évolution mensuelle de l'autonomie, ça va m'aider à faire des réformes gouvernementales plus vite, parce que je suis complètement à la masse, là. Mais alors, complètement. Ah bah, mille du cas, moi je prends. Entreprise coloniale, dans la marine ou... Oui, non mais on s'en fout des vaisseaux lourds et des vaisseaux légers. Rien à péter, on rembourse l'emprunt. Oh là 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 là. Parents naïfs, on exécute. Ça lui apprendra. Okay. C'est beau, tiens. Ouais, c'est clair. Cordialement, bien sûr. Ah, c'est une honte. Pourquoi on a 5 d'inflation, hein? C'est n'importe quoi. Faut arrêter avec l'inflation. Ah mais attends, ils me disent alors manufacture mais fourneau. Ouais, c'est un truc à côté. Ouais, mais en fait quand je veux construire, ils me disent possède déjà une manufacture. Ah. Oh, tu peux en faire qu'une seule par province. Donc c'est à la place de la manufacture? Bah oui. C'est une manufacture, le fourneau, ouais. Alors, admettons que je fasse sauter la manufacture qui se trouve à... Admettons. Chester, j'ai inventé un truc qui s'appelle donc la dynamite. La manufacture navale va sauter. C'est le bon bâtiment, on est d'accord. Ah oui, j'avoue, t'as du fer et du charbon. Ah, c'est marrant. Alors, donc ça a pété. Et maintenant, on me dit... La manufacture ne pro... Ah d'accord, ok. Bon, bah j'imagine que c'est tout simplement c'est beaucoup trop tôt. Voilà. Donc il faut que je reconstruise le bâtiment que je viens de péter. Je pense qu'on pourra le faire, mais plus tard. Oui, c'est marqué que tu dois adopter les lumières, en fait. Ouais, bah on n'est pas aux lumières. Une compagnie courrier de succès. Cool, on gagne du blé. Ouais, c'est cadeau. D'ailleurs, on savait qu'on avait des problèmes de lumière assez... assez récurrent. On peut se permettre. Progrès des nobles. Ok. Bon, il nous faut vraiment un foutu maître de la monnaie là. Ouais, voilà, un maître de la monnaie. Filez-moi un maître de la monnaie, les gars. Il est où? Parfait. Il est là. Ah, j'ai pas les sous. Quel drame. Non, mais c'est pas lui. Il coûte deux fois moins cher, lui, vous êtes sérieux? Non.
Mousson désastreuse en Guinée. Ouais. Quel est le fuck? J'ai le choix entre envoyer de l'aide humanitaire ou envoyer une carte. Oh, ils ont mis à jour, je suis dégoûté. Maintenant, quand tu recrutes un ministre de tes ordres, il coûte pas deux fois moins cher. Ouais. Ah, c'est abusé. Allez, veule. C'est un peu triste. C'est vrai. Je suis extrêmement déçu. Du coup, je peux pas le payer. Enfin, je peux pas le payer tout de suite, quoi. J'ai tellement besoin de réduire mon inflation. À ce point ? Ah bah, toujours à 5,50, ouais. Ouais, c'est triste. Encore une fois. Ah, disons que... Avec toutes les flottes des Indes, là, ça rapporte du blé, les flottes des Indes, mais... niveau inflation, c'est un peu le drame, quoi. Ouais, je comprends. Suisse. Qui c'est quoi, ça? Tu sers peut-être plus à rien, toi. Reviens, là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est parfait. Je fais des revendications un peu partout. Oh, y en a qui veulent en profiter? Je vais rentrer en guerre contre la France ou pas? Tu veux rentrer en guerre contre la France? Bah écoute, je suis encore en trêve, mais si tu veux m'appeler, pourquoi pas. Ouais, moi c'est pas trop mon délire. Très bien. J'ai toujours la colonie du Brésil à bouffer. Enfin, pas du Brésil, du Pérou, je ne sais plus où. C'est pas un... Si, il y a forcément un nœud commercial dans le coin. C'est quoi ça? L'Ohio. Je vais essayer de récupérer l'Ohio. Pourquoi tu rentres en guerre contre la France d'ailleurs, Non, en fait, je veux pas le faire. Ah! Parce que où est-ce que t'as des trucs à bouffer? Non, mais c'était pour prendre le dernier territoire des tickets, mais je viens de me rendre compte que c'est sur l'état de. Qui appartient à. Eux, ils vont me défoncer. Ah oui, c'est un peu la violence à de. Okay. Entrer bon, en guerre contre la France juste pour ça. J'y vais assez. Bon, en fait. Elle me menace pas, moi. Je la crains pas. En fait, il me faut des bateaux de guerre. Je peux pas attaquer les petites nations dans le Pacifique sans bateaux de guerre. Ah bah non, c'est impossible. Merci, je viens de le remarquer. Effectivement, c'était ça ta question, fallait demander, mais j'avais pas suivi. Mais oui, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ils sont plutôt badass, ouais, en bateau. Bah voilà, en même temps, c'est que des îles. Bah c'est ça. Très avec la France a expiré. Après, s'il y a une guerre, je peux ramener ma flotte, hein, mais j'ai 120 bateaux, mais... Plus te les calmer, mais bon, ça fait loin quand même. Ouais, mais moi aussi j'ai plein de bateaux, mais disons que pour l'instant, leur taf c'est plutôt de faire du poids. Bah ouais, moi aussi, ouais, je te confirme, ça me ferait chier de devoir arrêter ça entre nous. Pareil. Bon, ouais. Ça vous dit pas une petite guerre, non? Parce que je m'ennuie de faire du sang. Il y a complètement zéro. Il y a zéro en thune dans la mer du Nord. Il y a plus rien, tout le pognon il s'en va. Ah bah ouais, normal, hein. Un petit peu mis les moyens quand même. C'est ça. C'est qui le Saint-Empereur? C'est la Bohème. La Bohème. La Bohème. Parce que moi je me taperais bien la Hollande quand même. Ah bah ouais, mais si tu tapes la Hollande, je viens. La Hollande ou la Bourgogne, ils commencent doucement à me lourder. Hein. Bah moi de toute façon, ouais. Je veux faire une guerre. Moi je veux que ça saigne, je veux m'ennuyer là. Ouais bah parce que du coup, la Bohème, c'est. Il y a la Bohème. La Bohème, c'est Augsbourg, Cologne et Salzbourg. Ouais bah de la merde en fait. Ouais, de la merde globalement. Après, les alliés de la Hollande. Brême, Münster, Flandre et Passaille. Vraiment. Oh la petite opportunité. Ah. Attends, j'ai des séparatistes. J'ai 32 000 séparatistes qui viennent de m'arriver droit dans la gueule là. Ah bah, moi, ma reine est morte, tiens. Oh, putain, je suis en régence. Infiltration au Vatican. Ouais. Tu as. Qu'est-ce qui se passe encore? Une autre révolte aussi? Oh, non mais moi il est tellement stable mon pays à côté de vous, c'est ouf quoi. Mais moi c'est le pays, il est stable, hein. C'est tous les gens à qui j'apporte la lumière de la civilité. ils ont pas l'air très très contents en fait. Ils sont pas très stables quoi. Bah non, et les gars ils gueulent, je comprends pas pourquoi ils gueulent. Mais moi c'est pareil, c'est stable, hein. C'était juste après la guerre parce que j'ai pris des trucs, mais là plus de rébellion depuis. Pouf. Je veux dire, avant moi ils avaient quoi? C'est sauvage. La Hollande c'est quoi comme religion? J'ai aucune autonomie. Mais c'est autonomie, des protestants, c'est pour ça qu'ils se font tout chier. Tout est à zéro. Tout va bien. Ah mais ouais, mais tiens, je pourrais complètement faire ça, baisser l'autonomie. Ah, elle est à zéro partout alors. Moi aussi quasiment, je peux le baisser un moi, peu. Moi je pense là. Qu'on peut l'attaquer la Hollande, en vrai.
Allez hop. En fin du sang. Oui. Moi je pense qu'il faut. Eh ben écoutez. Je ramène mes bateaux, je ramène mes troupes. On est en vitesse 1 sinon. Hein, je... Ah pardon, mais c'est parce qu'il y a eu machin étant. Ouais, il y avait quelqu'un qui était un peu à la traîne, je sais pas qui c'est, sûrement un relou. Ouais, ouais je pense. Ah ouais, c'est inadmissible. Faut éviter de l'inviter, mais bon. Oh là là, pas, il fait partie de la série. À... Bah ah, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est compliqué de. Il est sympa en plus, mais sa connexion. Ouais, ouais, c'est ça, des fois. C'est... Que veux-tu? Bah, on peut pas tout faire, je m'excuse. Eh, on choisit ses amis, on choisit pas leur connexion. Hein. C'est ça. C'est ça. Encore une révolte. Mais prenez un ticket, putain. Ah, ce serait tellement bon si tu pouvais faire ça, quoi. Prenez un ticket, quoi. C'est quoi vos revendications, vous? Alors, c'est l'indépendance tout à fait pour le même pays, c'est ça? Ah, je vais peut-être bientôt mais... pouvoir faire une réforme, attention, quoi. En 82. Pour votre rébellion, l'étrange, vous les coupe fines ou épaisses? Non, mais c'est ça. Il y en a un peu plus, je vous le mets, ou... Il y a le talon, vous le voulez, ou... N'importe quoi. Mettons les sauvages à nous. Attendez, j'améliore mes bateaux, ils finissent de se remettre, et puis on peut, moi je peux, ouais, je peux débarquer 60 000 hommes. Voilà déjà. Avec une facilité ennuyante. Allez, moi, je vais réarmer mes bateaux. Je vais réarmer le Celtic, attention. Le Celtic. Ouh la classe. Le navire amiral de ma flotte de navires de transport. Ça ouais, moi aussi pas. J'ai un souci, c'est que je n'ai pas de flotte de guerre. Du tout. Bah moi j'ai un navire amiral. Ça c'est tout. En fait t'as ah ouais, que l'amiral quoi. C'est ça, j'ai que l'amiral et à côté il y a des bateaux de transport quoi. T'as, t'as un galion puis autour c'est t'as des barques. C'est pas complètement ouf hein. Ouais, ouais je suis bien avec mes 13 ouais, galions. On a libre concurrence, un marchand de plus. Très bien, où est-ce que je vais le mettre celui-là? J'aurais bien une idée mais... Mais c'est pas ça qui me rapporterait de l'argent. Non, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Merde, il y a, on a été découvert en France. Vient de où, là? Sauf si ton nœud est... Allez, on va construire un code de l'or. On a 2%, mais on fait quoi? On collecte 2,51, là de... On collecte 2,51 en Côte d'Or, c'est pathétique. Ça me remet combien de pratiquer la course? Même la guerre de course contre Bourgogne plus 1. Ah ouais, c'est un peu de la merde. Tout ça n'est pas très très intéressant. Si tu pratiques la course à Lübeck, ça ne me rapporte combien? 5,05. L'Ohio. Si t'avais protégé le commerce de Bordeaux. Ouais, c'est moins bien en fait. Ok, ok, j'admets. Allez, petite flotte, fusionne. Avec le Celtic à ta tête, on va écraser la Hollande. Ouais. Alors par contre, où sont mes troupes? J'ai toujours pas réussi la mission où il fallait qu'on sorte des trucs. Ah si, quand même. Je sais pas trop où sont mes troupes, en fait. Il faudrait que j'arrive à récupérer mes troupes, déjà. Ouais. Ce serait peut-être un bon départ, je pense, pour la guerre. Ouais, ça me paraît plutôt une bonne idée, ouais. Ça paraît être une bonne idée. Ensuite, il y a des revendications qui peuvent se faire. Surtout que là, j'ai eu une explication avec... comment dire? Avec quelques troupes en Afrique, il devrait pas être... dans les années à venir. Il devrait être un petit peu calmé, tu veux dire? Ouais. J'ai le droit de... comment, de débarquer chez toi? On a le droit de passage ou pas? Chez moi? Ouais. Bah, je pense, ouais. Ouais, ouais. Bah le temps de... comment, le temps de reprendre toutes les troupes que j'ai à travers le monde et puis on lui saute à... Parce qu'il y a qui viendrait avec lui, là? Il y a là, donc on pourrait passer là, il y a ça... Vas-y. Mariage royal, on s'en fout. 5 vaisseaux à 2 ponts. Mais avant, j'aurais des quais parce que ça prend trop de temps à faire, sinon. Oh là là, il faudrait tellement de blé pour améliorer ces bateaux. Chantier naval. Des chantiers navaux. Oui. Allez, on va prendre cette deck, ça nous fera du bien. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, cette fois, c'est des Indiens d'Amérique qui gueulent. Très classique, hein, tout ça. Allez, on est à moins 15 ici, on va prendre la tech, voilà. Hop, c'est parti. Ah mais on est toujours à moins 15. C'est un peu le drame, ça. Oula, trop de sous.
Ah, on est à combien là? On est à 90. Oui, on va prendre juste avant là, on va prendre plus 5% de discipline, c'est parfait. Et on a accès à des politiques militaires. Mais félicitations! Parfait, alors on a quoi? Feu des commandants terrestres plus 1 ou vitesse de recouvrement des terrestres des réserves plus 10. Oh putain! Ah bah du feu! Carrément du feu! Bon, en fait, je vais peut-être pas pouvoir trop longtemps quitter les colonies. Ah, c'est la merde à ce point-là? Ah oui, ça gueule de partout, c'est une catastrophe. Labor. Je sais pas ce que vous leur faites à vos colonies, mais... Mais je leur fais rien, c'est eux qui sont cons. Mais en même temps, vous avouez que vous avez massivement popé en Afrique, alors que moi j'ai deux pauvres trucs que j'ai colonisés. Commerçant européen en Chine. Putain, la vache, gain de 725 ducats, là... C'est la fête, quoi. Oula, c'est quoi ça? Excusez-moi, il y a plein des ventes. Alors, Gilles de Chateaubriand est un protectionniste controversé. Putain, Chateaubriand, tu casses un peu les couilles, hein. Ouais, on s'en fout. Ouais, non, on va fournir des corps frais aux médecins, y a pas de souci. Ouais, moi j'ai refusé. Ouais. Oh. Moi qui pensais que tu étais un républicain progressiste, je suis déçu. Oui, je suis un républicain progressiste, mais pas tout à fait encore. Je suis à 200 sur 250. Bientôt, je serai républicain et progressiste. Mmh. Alors, il faut que je ramène encore quelques hommes. États généraux. Parlementariste, décrets royaux. Je crois que je vais rester un bon vieux royaume, moi, pour le fun. Bah, c'est tout jeune que t'es un royaume, nous on s'en est lassé à force, mais... Ouais. Normal que... Ça devient lassant. C'est à qui, ça? C'est la Louisiane irlandaise? J'ai la Louisiane irlandaise. Ah oui, c'est la Louisiane irlandaise, ça. Ça, c'est la Nouvelle-Irlande. Et là-haut, manifestement, c'est que dalle. Parfait. Mais c'est à l'Écosse, me dit-on. Allez, on va faire un peu de troupes. Colonie de Louisiane. C'est la Louisiane tous merdier? Oula, c'est de la merde ce que j'ai fait. On fait ça. Alors, on a dit qu'on avait un endroit où il y avait moyen d'avoir de l'or ici. C'est pour ça que ça a foutu la merde en fait. C'est parce que j'ai conquis. En fait, j'ai conquis des terres. Ouais, c'est mieux. Canadiennes. Ah. Comment ça? Bah, j'ai pas fait exprès. Le souci, c'est que normalement, toutes ces terres, elles sont. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça fout la merde. Ouais, ça fout un peu la merde. Ah d'accord. Bah oui. Mais on s'excuse. Ouais, ça suffit pas. Est-ce que je peux envoyer un émissaire au pape en disant qu'on s'excuse beaucoup? On s'excuse plus. C'est ça. De toute façon, on va être en guerre contre le pape bientôt, donc t'en fous. J'avoue. Allez, je remonte encore 15 000 hommes de... commande d'Afrique, et puis après j'aurais 45 000 hommes sur le territoire, ça suffit? Ouais, je pense qu'il y a de voir un moyen quand même. Ça devrait le faire. Je pense. Oh, ça commence à me casser un peu les... Succession contestée en Suède. Vous êtes toujours lié à la Suède? Non, personne n'est lié à la Suède. Ah non, c'est mon rival, moi. Ok. Et qui sont vos alliés? Ah bah l'Espagne. Moi j'en ai plus d'alliés. Ouais, y a toujours été ça. Il y a toujours l'Espagne. C'est un peu la crise. Moi j'ai 3 relations sur 5, ça fait chier. Bah moi, pas loin aussi, ouais. Ouais, 4 sur 4, moi. Faudrait que en fait, quelqu'un vassalisé. Il faut trouver il faut trouver des vassaux. Bah c'est ce que je voulais faire, moi, avec Passaï, mais là malheureusement, soutenu par beaucoup trop de gens. Il veut pas, quoi. Depuis que je me suis installé à côté, quoi. C'est la vassalisation. Garanis. C'est où ça, Garanis? Garanis. Tu es qui, Garanis? Tu es toi. Ah ouais. Ah, ça pourrait être intéressant. Ouais, on va essayer, tiens. Mec, reviens. Mmh.
On va s'allier avec Garanis. Bon, d'abord, on va... Voilà, bon bah là, j'ai vraiment plus rien à faire. On va améliorer la relation. On va essayer de prendre un petit vassal en plein milieu du Brésil portugais, tiens. J'aime bien l'idée. Pourquoi pas? C'est un bon coup de pute comme je les aime, ça. On a un marchand ici? Ah, on n'a pas un marchand ici. Bon, en même temps, tout se casse déjà, on s'en fout. Politique commerciale néfaste? Non, soutenez les bourgeois. Vive les bourgeois. Soutenez les premiers de cordée. Comme c'est bien dit. Mais oui. Parce que derrière, je peux leur demander 1000 ducats, l'air de rien. 1000 ducats, putain, la vache. Ils sont à 82%, les mecs. La vache, c'est le drame. Ouais, ouais, ils sont peut-être un peu montés un peu haut, là. Ouais, allez, on va envoyer un mec là. Ouais, c'est un peu comme l'inflation. C'est un peu comme l'inflation, d'ailleurs, c'est monté un peu haut. Alors, attends, parce que moi, du coup, j'ai des prix moraux. Je peux contraindre les marchands à baisser leurs prix. Ou alors je m'en mêle pas et du coup j'ai des rébellions partout. Ou alors je paye. Ouais, je paye, ouais. On va soutenir les premiers de corbée avec l'argent de l'État. Très bonne initiative. Vous êtes à combien en... Comment ? Hein ? En mercantilisme ? En mercantilisme, je 23. Suis à 23. Eh ben moi aussi, c'est quand même bizarre. Ouais, oui. J'avoue. Tu es sûr que tu nous as copié? Non. Si, si, si. La portée commerciale, ça sert pas à grand chose en fait. Bah, à notre niveau, plus trop, non, je pense. Ouais, voilà, ça, c'est bien de la merde, on est bien d'accord. Allez, on va développer un peu là. Je vais insulter la Hollande. Quitte à outrager elle et tous ses potes. Ça va être tendu, hein. On va pas pouvoir atteindre 190, mais on va pouvoir s'allier avec eux et devenir potes. Oh, les événements qui me font perdre 600 ducats, ça m'en touche une, sans me faire bouger l'autre, quoi. 600 ducats, j'en suis pas à perdre 600 ducats sereinement, quand même, moi. Je m'en fous. Je suis au moins pas raté ma partie d'un point de vue argent. Disons que moi, c'est toujours mes colonies qui me payent, quoi. Ah non, par contre, moi je suis autonome, ça, à ce niveau-là. Ma colonie, elle m'apporte 1,89. Waouh. Ah non, mais moi, c'est les flottes des Andes qui me payent pas ce qu'ils me donnent. Clairement pas. Bon, ils me donnent rien non plus. Hein. Ah non, moi, ils m'amènent... Moi, c'est 6 ducats qui me rapportent, moi. C'est tellement que je peux même faire une donation généreuse au clair, tiens. Allez, hop. Mais ça va pas. Moi, ils me rapportent 3,67 mes colonies. Par contre, les deux flottes des Indes, elles me rapportent presque 2 ou 300 tous les 3-4 mois. Mais à côté de ça, je suis en négatif quasiment tout le temps, quoi. Là, je suis à 0,007, attention. Oh la vache. Ça déconne pas. Oh la vache. T'es à quoi? T'es à 0 et quelques? Je suis à plus 0,07 de revenus positifs. Ah oui. Ah oui, oui. Non, moi, j'ai beaucoup plus aussi, hein. Oh la vache. Là, moi, je suis à plus 30. Je suis à plus 50. Ouais, voilà. Non, moi, c'est... Il y a du pognon qui rentre. Hein. C'est toujours le drame. Moi. Excusez-moi, ça fait une seconde, c'est pour vérifier un truc. Si... Je ne suis que le sixième revenu le plus important, à plus 50. Il y en a qui se gavent, hein. Je sais pas qui, mais... Bah, ah, moi, réforme gouvernementale, septième enfin. Revenu commercial. Assemblée des ordres, cours aristocratique, décrets royaux, états généraux pour moi, on est parti là-dessus. Union des états ayant des représentants, patati patata. Républicains et monarchistes vont s'opposer. Pas de consort, pas d'héritier. Durée des mandats 4 ans. C'est parti pour les états généraux d'Irlande, chers amis. Eh ben, tu verras bien. Hop là. Ouais, dis donc, mon roi a 63 ans et mon héritier 60, c'est pas... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bah pour l'instant, je suis à zéro entre monarchiste et républicain. Pourquoi c'est moi qui ai demandé la pause, hein? Je peux comprendre. Élection à la tête du pays. Mettre un monarchiste ou mettre un républicain? Putain, 0-4-2 ou 0-1-2? Ah bah tu l'as voulu, hein. Ouais, j'avoue, là. Ah mais il pue la merde, les deux ils puent la merde. Eh bah écoute, 0-4-2 on va dire, hein. On va commencer par le candidat républicain. Tech. Au roi, quoi. Ça ne donne même pas de... T'as déjà été pris, cette tech?
Ah, la vache. Toujours pas. T'es un Fitzgerald à nouveau, tiens. Ça faisait longtemps. Bah, c'est les gars du coin, hein. Il a été élu, hein. Ah bah. Nous, on est complètement dans le futur. Ouais, c'est le mec, le paysan. Bah, je veux bien dire Julien Lang, moi. Allez, Fitzgerald, hop là. C'est l'heure de la fin de l'épisode. Bah oui, je me moque. Ah oui, pardon, c'est la fin de l'épisode, hop, oui, effectivement. Ah. J'ai pas de timer, moi. Mais je vous le dis, c'est la fin de l'épisode. Eh bien, très très bien, eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce petit épisode, avant qu'une guerre n'éclate très prochainement. Bonne soirée à vous, vous pouvez retrouver bien évidemment cette vidéo chez Tiberians et chez Le Cygne Noir, vous connaissez le lien. Bonne soirée, à la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde.